Danse de l'oiseau, légende marquisienne. Sur l'île de Nukuhiva, aux Marquises, se préparait une grande fête. Depuis longtemps, les gens répétaient chaque jour les chants et les danses du Henua Enana, la terre des hommes. Teikikeuhina, le chef de danse qui donnait tout son cœur à la réussite de ces festivités, venait souvent méditer sur le grand paepae de Pikiveine, face à la mer. Là, il ouvrait son esprit à la nature. Stimulé par les éléments, son imagination donnait naissance à de nouvelles histoires et à de nouvelles danses. Ce jour-là, à l'heure où le soleil commençait à décliner, Teikikeuhina vint à son rendez-vous quotidien avec la baie de Taiwa. Un lent tourbillon de nuages roses sombrait derrière l'horizon. Soudain, illuminé par un éclair de lumière, Mokohe, la grande frégate, sortit d'un nuage et se mit à battre des ailes avec une telle grâce que Teikikeuhina, captivé, sentit son corps se soulever, ses bras devenir ailes, son cœur battre à un rythme si singulier que deux larmes coulèrent de ses yeux. Comme un écho venu de très loin, il s'entendit prononcer. Et son esprit se souvint de ce qui s'était passé il y a fort longtemps, de l'autre côté de l'île. Tahiat Mata, la sœur du grand Hakaiki des Taipi, vient de mourir. Toute la tribu est réunie pour célébrer solennellement les funérailles. Chacun sait que l'esprit d'un défunt dispose de 3 jours pour quitter définitivement son corps. Ce délai est mis à profit pour rappeler tous les plaisirs de la vie. C'est ainsi que le dernier jour, la belle jeune femme choisit d'exécuter le hakamanu, la danse de l'oiseau. La mélopée du cœur des femmes l'accompagne dans ses mouvements. Les gens de la vallée sont pétrifiés. La grâce et la majesté de Tahiat Mata n'ont à leurs yeux jamais été égalées par aucune autre danseuse de la tribu. Lorsque la dernière note du hakamanu s'éteint, l'esprit de la belle s'envole sur un rayon de soleil, ne laissant à l'assistance que son corps, qu'il faut maintenant sécher et enduire de panis et d'autres huiles odorantes. Comme toutes les âmes des habitants de la terre des hommes, celle de la danseuse part vers le cap Kiyokiyo
au levant de l'île de Hiva'oa. À ce même moment, dans la baie de Poamau à Hiva'oa, justement, un jeune pêcheur assis sur un rocher au bord du rivage lance sa ligne et la rame. Les vagues viennent se briser sur les galets. Et lorsqu'elles repartent vers le large, une image de plus en plus nette se dessine sur le sable au pied du pêcheur. Elle a forme humaine. Alors, à la manière d'un oiseau qui rassemble ses ailes pour son envol, et Imo'ana, le pêcheur, saisit dans ses bras l'image de sable déposée par la mer. Elle vient tout entière. C'est une femme merveilleuse. Il la porte à son ra'e, la baigne et la part des fleurs les plus rares. Déjà, il sait qu'il l'aime. Bientôt, un fils va naître et grandir aux côtés de Hi'imo'ana, le pêcheur, et de la femme étrange. Ils vont l'appeler Poena'uki. Quelquefois, la mère raconte à son enfant l'histoire de sa famille qui règne à Nukuhiva, dans la vallée de Hatihe'u, sur le peuple Taipi. Poena'iki a 10 ans. Curieux de connaître le berceau de ses ancêtres, il décide de se joindre à un parti de jeunes guerriers de Poamau pour une expédition de chasse à l'homme le long des rivages de la lointaine île Riva. Hélas, les navigateurs manquent d'expérience. Ils tournent autour de Nukuhiva, abordent au mauvais endroit, se font prendre et manger par les hommes de Hatihe'u. Seul le jeune garçon est épargné. Mais on le jette dans une fosse à mât. Un minuscule orifice, juste assez large pour la bouche et le nez, lui est laissé entre les pierres. Le pauvre enfant se lamente sans cesse, criant son nom et celui de sa mère avec désespoir. Un jour, un grand Toa tend l'oreille aux lamentations du prisonnier et croit reconnaître le nom de la sœur de son chef, morte depuis longtemps. Il court vers le Hakaiki. Où t'étais? As-tu autorisé quelqu'un à porter le nom de ta sœur défunte? Bien sûr que non. Pourquoi? Je l'ai entendu prononcer par le jeune captif. Il prétend que c'est sa mère. C'est impossible. Qu'on aille le chercher. Toa exécute l'ordre et amène Poena'iki. Si tu es le fils de cette femme, tu dois reconnaître son corps. Deux hommes robustes apportent la pirogue dans laquelle gît le cadavre desséché et le présentent à l'enfant. Celui-ci, éperdu, reconnaît sa mère dans la Vakatupapau. Alors, si cette femme, qui à ma connaissance n'a jamais enfanté, est ta mère, elle a dû t'enseigner un rite particulier qu'elle seule était en mesure d'exécuter. Poena'iki ne sait pas. Sa mère ne lui a rien révélé de pareil. On le remet dans la fosse. Pendant ce temps, à Hiva'oa, dans la vallée de Poamau, les parents s'inquiètent du sort de leur fils
et le père décide de partir à sa recherche. Alors, Tahiyat Mata, sentant le moment venu de dévoiler sa vraie nature, raconte. Je suis une âme errante. Je n'ai pas accepté en son temps d'aller rejoindre les autres Kuhane dans le Hawaï qui démord. J'aimais trop la vie. C'est pour cela que tu m'as trouvée sur la plage. Avant que tu ne partes chercher notre fils, je vais t'enseigner le Hakamanu. Moi seule en connais les gestes et la grâce, capable de plonger les hommes et les femmes dans le plus grand émerveillement. Ce qu'elle fait, et Hi'imo'ana, plus amoureux que jamais, part pour l'île de Nokuhiva sans savoir qu'il ne reverra plus jamais Tahiyat Mata vivante. Vaste est l'océan pour l'homme solitaire. La voile et la pagaie unissent longtemps leurs efforts pour mener le pêcheur jusqu'à la baie de Hatihe. Une feuille de haoti brandie en signe de paix, il arrive devant le hakek. Uhutete lui présente le corps desséché dans la Vakatupapau et lui dit « Tu prétends que ma sœur morte est ta femme. Tu affirmes être le père du jeune prisonnier. Prouve-le. » Hi'imo'ana, brisé d'émotion mais fort de son secret, demande qu'on libère son fils et que l'on convoque les femmes qui chantent Hakamanu. Hatihe'u, sur le grand Tohua de Hikoku, les voix bientôt entament la mélopée. Et le père exécute avec toute la justesse et la grâce enseignée par sa femme la merveilleuse danse de l'oiseau devant l'assistance médusée. Qu'on apporte à manger à mon neveu et à mon beau-frère. Parviens seulement à dire où t'étais. Était maintenant tombé sur la baie de Tayuha. Teiki Keohina, le chef de danse du Paipae de Pikivehine, se leva pour rejoindre les tambours et les danseurs qui l'appelaient. Il avait entendu Mokore la frégate. Il allait faire renaître la danse légendaire. Oh!
Thank you.